blinded by darkness. Open your eyes. Look around you. It's a beautiful life. Don't waste time. Open your mind. Have no regrets. Donc notre première idée, nous, c'était de faire le royaume des enfants. Donc mythique, mais s'écrit pas comme mythique à l'anglais, et à la rencontre de l'autre. Ce projet s'appelle l'atelier d'expo des savoir-faire. L'idée c'était d'avoir un bâtiment sur lequel on regroupait tous les producteurs, enfin tous les producteurs locaux en tout cas les affaires. Ce serait deux logements, donc en bas un logement donc plus accessible, éventuellement pour des personnes âgées ou qui auraient des difficultés à se déplacer. C'est de créer un service de rencontre entre une ambition et une implantation. Donc l'immeuble n'appartient plus à personne, c'est souvent le cas, on ne sait plus à qui c'est. Ça devient une ruine, et du coup un vide. Et si on attend encore un peu, c'est une friche. Et on en fait quelque chose de super de cette friche. On permet aux riverains, aux habitants qui vont quand même continuer à vivre et à commercer autour, de s'approprier ce terrain, cette friche qui devient donc une jungle apprivoisée. D'abord, la réunion est constructive. Chacun a donné son opinion et ça permet à voir. Moi, personnellement, ce que j'ai entendu et ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait un problème par rapport aux jeunes de 18 à 30 ans qui n'ont pas de lieu pour se retrouver. L'idée qui ressort pour moi, c'est l'ouverture du champ des possibles. On a pu réfléchir à des scénarios, des utopies, sans vraiment de barrières, voilà, en élargissant vraiment le champ de réflexion. Thank you.